Enfin, on pourra, mais... Je sais pas, c'est par exemple pour les petits sacs qui nous ont laissés, si on doit les prendre des maintenant. Oui. Quand on va aller à Quargy, il vaut mieux les prendre. D'accord. Même un peu plus que bouillant. Voilà. Il faut faire attention. Je me suis encore jamais brûlé, donc j'espère que nous allons nous brûler. On a qu'on lit un petit peu le livre, vous savez à quelle température ça monte? Il y a pas de temps, non, il n'y a personne. 900. Génération 900. Donc, là j'ai enfourné. Mes nacelles hein, avec ma farine, enfin là c'est du remoulage mais bon c'est la même chose. Ouais. Et dans celle que j'ai prélevée c'était de la farine juste avant. Et quand je vais les peser, du coup avec un calcul, j'ai le pourcentage de taux de minéraux. Minéraux, oui d'accord. Voilà, et c'est ça qui va donner le type de la farine. Hein, si on veut schématiser, nous ce qui est dur, l'infrastructure c'est notre squelette et on a de la chair autour. Le blé c'est à l'inverse, il a son squelette à l'extérieur, d'accord, et l'albumine à l'intérieur. Et donc là, les taux de sang, donc, nous on a à l'intérieur, nos os, eux, ils ont ça à l'extérieur. D'accord. Donc là on va tester, savoir combien il en reste. Pardon, combien reste de squelette? Voilà, c'est ça. Voilà, il reste que ça. D'accord. Par exemple, pour la type 65, je vais avoir un taux de sang qui est entre 0,60 et 0,68. Voilà, donc je sais que c'est une type 65. Voilà, donc on ne l'a pas encore trop vu, mais voilà, ça va être ça. Hop, il y a des fourchettes. T45, toc, T55, toc, T65, toc. Comme ça, c'est là, voilà. C'est déterminé. Vous avez une machine pour le... après, c'est comment? Alors, la petite balance. Alors, la petite balance, il y a 0, virgule, voilà, 0, virgule, il y a 4 chiffres derrière la virgule. Oui, je crois que c'est ça, oui. Ouais. Le premier chiffre, c'est le gramme. Ah oui. Ah d'accord. Ah donc c'est vraiment très précis. D'accord. Hein. Il y a le camion qui arrive ici où nous-mêmes on fait ça. Balance. Donc c'est pour ça que vous avez des petites des petites portes pour empêcher les courants d'air. Oui, la vibration. D'accord. Et donc et le premier c'est le gramme. D'accord. Voilà. Donc c'est... Et le temps c'est un temps précis. C'est le même temps à chaque fois. Une heure. Ouais. Mais après d'une manière il restera peu. Ça restera tout le temps. D'accord. On peut rallonger le temps, ça c'est un temps minimum en fait. Une heure de cuisson. Oui, c'est ça. C'est ça, il y a une heure de cuisson. Oui, si on peut faire. Voilà, c'est l'incinération. Voilà, c'est comme. Voilà, c'est pour ça que les cycles durent longtemps. J'attends que les frères soient fermés. Sinon. Oui, parce que c'est la norme. Hein. Et donc, vu que j'avais fait mes méthodes de référence cette semaine sur la tradition, je sais que le taux d'humidité est de 13,7. Donc j'ai rempli ma burette jusqu'à 13,7, hein, puisque ça correspond. Donc. Est-ce que là, le test, on veut que ça soit hydraté, la farine soit hydratée à 50%? Oui, c'est ça, par contre. D'accord, on veut que ce soit hydraté à 50%, et parce qu'elle en a 16, ben, au complet, si elle en a 10, au complet. D'accord, on veut vraiment que ce soit à 50%. Hein, c'est standardisé, c'est à 50%. Et en plus, l'eau, il faut qu'elle soit... Salée. Ah. Et avec un dose. D'accord. Et pas de l'eau n'importe laquelle. De l'eau distillée. Parce que dans notre eau, il y a du calcaire, des choses comme ça. Donc là, c'est pour ça que vous voyez le petit appareil là pour distiller l'eau, pour voilà, on fait chauffer l'eau, on récupère la vapeur on la retransforme en eau et ça fait de l'eau pure. Donc on a besoin de l'eau pure et donc les fameux 25 grammes pour un litre. Vas-y. Ça venait d'où? Je sais pas, j'ai pas compris. Ben, en fin de compte, là, j'ai fait mes cendres et mes humidités cette semaine sur les farines, ce qu'on appelle les méthodes de référence. Oui. Et c'est ce qui me permet de contrôler que c'est la bonne humidité et le bon taux de cendre. Et ça me permet de faire le réglage. Voilà. Là, c'est de la farine, c'est pas de la cendre qui est là-dedans. C'est... Ah oui, c'est la farine. On est passé à autre chose. Là, on est passé, c'est deux, choses différentes. Ah oui, c'est la suite, moi. Non, c'est deux choses différentes. Non, c'est deux choses différentes. L'eau permet en fait de savoir le taux de matière minérale. Et là, ça va nous permettre de connaître la force de la pâte et son élasticité. Donc, en fonction du taux de matière minérale, on saura si c'est 65, 80. Voilà, donc ça, c'est un test. D'accord, okay. Voilà. Ça, c'est de la légalité. Parce que, comme vous êtes, au moment où vous êtes arrivé, je devais en faire force, là, que vous avez calculé. Voilà, ça, c'est vraiment le type qu'on avait présenté. Non.
Et bien sûr, le type va faire changer un rapport de l'élasticité. Mais ça, c'est. Voilà. C'est rapport de quoi, élasticité sur quoi? Sur l'extensibilité. Extensibilité, ténacité. Ténacité. D'accord. C'est surtout sur le bleu, je pense. Donc, on va fabriquer une pâte, et cette pâte, elle va avoir une certaine plasticité. Et donc, l'appareil va pouvoir arriver à la déterminer. Ouais. D'accord. Là, maintenant, il faut attendre 8 minutes que ça pétrisse pour faire les petits bâtons. Le type de pétrissage est aussi standardisé pour. Oui, c'est 8 minutes. Enfin, entre le moment en fait, où on allume le chrono et on vide l'eau, c'est 8 minutes. Jusqu'à 2 minutes, je peux gratter avec la spatule, parce que la pâte n'est pas encore formée pour bien. Enfin, parce que la farine, elle peut rester collée sur les parois du pétrin, sinon c'est faussé. Mais après, il faut que je touche jusqu'à temps que ça sonne et que là, je fais mes petits bâtons. La vitesse, du coup, on est sur une vitesse rapide, quoi, là, on n'a pas trop, j'ai l'impression. Bah, c'est vitesse 1. Vitesse 1, c'est tranquille, hein. Bah, après, moi, je fais. C'est le seul moment où je fais du pain, c'est limite. Surtout pas, justement, il n'y a pas de levure. D'accord. Oui. Voilà. C'est la pâte à porter. Voilà, la levure change, modifie, parce que je laisse plus ou moins ses caractéristiques. Là, on veut savoir la qualité de la farine. On ne veut pas savoir comment ça fermente et tout ça. On veut savoir la qualité de la farine, si elle est son élastique. On veut savoir qu'il est costaud ou s'il s'allonge très facilement. D'accord. Ou voir s'il est costaud qui casse tout de suite ou s'il est costaud et qui gonfle longtemps. Donc là, je l'ai fait sur la farine, mais ça nous arrive de le faire sur du blé pur, entre guillemets. On passe le blé en bouture de blé, on va l'expliquer. Et du coup, pour savoir les caractéristiques du blé, je fais la même chose. D'accord. Bon, là, c'est sur la farine, parce que vous avez de la tradition flamande, mais voilà. Donc après, ça nous permet de savoir, ça peut être un facteur qui va nous permettre de dire dans la formulation à quelle hauteur on va pouvoir le mettre dans la farine.